Buongiorno signor Martin Quintana, lei vive in questa zona del Massis, del Pirinei, nell'estremità sud della Francia, vicino alla Catalogna, e ha conservato questa razza di capra. Puoi dire da dove viene questa razza di capra? Oui, sì, la chèvre catalane è di Cervera, elle a toujours été dans nos montagnes. Elle avait pratiquement disparu donc, au début du siècle et donc, on l'a réintroduit petit à petit, donc on l'a fait reproduire et maintenant il y a 650 chèvres à peu près dans le département. Bene, dunque, una razza con 600 capre, che avrà forse delle qualità, vale la pena recuperare questa razza? Oui, c'est intéressant de sauvegarder la race parce que c'est des chèvres qui étaient adaptées déjà au pays. Elles débroussaillent bien la forêt. Elles sont mixtes, donc elles font du lait de très bonne qualité, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites et c'est du lait qui est très riche. Et elles font des chevaux, donc des chevaux de lait. C'est des chevaux qui sont consommés jeunes. Sans qu'ils aient mangé, donc ils ont bu que le lait de la mère. Bene, dunque, alta qualità della carne, alta qualità del latte. Mi sembra anche che c'è avuto un gruppo di specialisti italiani che sono venuti da Slow Food per assaggiare questi formaggi, che hanno detto l'eccellenza di questi formaggi. L'azione di Slow Food è stato qualcosa di determinante per provare di salvare la razza recentemente? Oui, c'est grâce à Slow Food qu'il y a eu des études de fait, hein, que l'Institut de l'élevage s'est un peu intéressé. Bon, apparemment, là, ça va repartir. Sinon, personne ne s'était intéressé à cette race. Si ça n'avait pas été vous, il n'y aurait pas grand-chose de fait. Peut-être c'est parce qu'on est un peu trop loin de Paris pour les techniciens, j'en sais rien, mais en attendant... Grazie a voi che ça évolue petit à petit. Bene, dunque c'è un po' di speranza di salvare la razza, no? Oui, normalement, les techniciens sont d'accord d'essayer de faire quelque chose, donc a priori ça devrait pouvoir se faire. Grazie mille, signor Quintana, e speriamo di vedere questa razza che si diffonde un po' con altri contadini, perché mi sembra che è molto importante salvare questa razza. Grazie. Merci a voi.